tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, la rotation broderie du mois d'octobre. Voilà, donc un petit peu en retard puisque là on doit être le 4 ou le 5. Donc je vais vous montrer ce que je vais faire ce mois-ci, enfin ce que je vais essayer de faire ce mois-ci. Alors, bien sûr, en premier, la broderie du mois, de la fleur du mois. Alors j'ai fait comme Jackie, sauf que moi j'avais déjà commencé bien avant. Jackie, j'avais eu l'idée déjà bien avant. Je crois que ça fait plus de 2 mois maintenant, deux mois et demi, presque 3 mois que je me sers des pochettes de chez Action. Voilà, pour ranger les broderies. Mais bon, c'est vrai que j'avais pas montré avant, mais rien. Alors, voilà. Alors, désolé. Comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai cassé le bras, que tout neuf en plus, ça fait pas longtemps que je l'ai. J'ai cassé la tête. Donc là, aujourd'hui, je vais me mettre face à vous. Je ne vais pas me mettre face bureau. Il faut qu'on regarde si on peut le réparer, et sinon il faut que je voie pour racheter une tête. Voilà, donc j'espère que ça ira quand même pour aujourd'hui. Alors voilà, la fleur d'octobre. Donc c'est toujours du 14 CT, donc 17 cm sur 17, voilà. Et le dessin en lui-même fait 12 sur 12. Donc, je ne l'ai pas encore commencé, mais voilà. Donc, voilà la grille. Je vais peut-être la commencer aujourd'hui ou demain. Mais bon, vu comment elle est grande, ce sera vite fait. Hein. Donc, voilà. Et voilà les fils. Je vous les remontre. Hop. Non. Donc, on a des beaux oranges, du vert. Le premier ici, c'est le beige pour faire l'encadrement de la broderie. Voilà. Donc, en voilà une que je vais commencer. Donc, celle-là, je l'avais eue. Est-ce que je l'ai marquée? Je ne sais pas. Oui, je l'avais eue chez Gutfeld, celle-là. Bon, je vais entendre un bruit bizarre. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis un truc dedans qui n'a rien à faire dedans. Ensuite, alors j'aimerais bien commencer celle-ci, l'ange de la dame de Noël. Je vous rappelais, il y a du fil spécial, donc du fil métallique. Il y a des perles à broder dessus. Voilà, donc j'aimerais bien commencer, parce que bon, le finir, il ne sera pas fini ce mois-ci, ça je sais. Bon, là, je n'ai pas changé de pochette, puisque c'est du Diosandé. L'autre aussi, hein, vous me direz, c'était du Diosandé aussi. Mais bon, je voulais le mettre dans une autre pochette. Voilà, donc celle-ci. Alors, en 14 CT, elle fera 41 sur 53 cm complète. Et donc, voilà tous les fils, mais sur beaucoup de rouge. Hein. Hop, 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 hop. Voilà, j'ai beaucoup de rouge, de bordeaux, de rouge. Ah, et puis en plus, du coup, là. Je peux pas vous mettre le flash, c'est embêtant. Mais n'hésitez pas à aller revoir là où je le présente. Je vous mettrai le lien de la vidéo. Et ici, voilà le métallique. Et les autres couleurs. Voilà. Hop. Et donc, je ne l'ai pas encore commencé, mais je vais la commencer ce mois-ci.
Donc la voilà. Donc en tout, elle a 23 couleurs. Et après, il y a une, deux, trois, quatre sortes de perles. Voilà, à broder. Donc il y aura du point de croix, bien sûr, du point arrière et du point avec des perles. Les perles sont ici. Oh, je crois que je commence à avoir un rhume. Donc voilà les perles. Des noires, noires grises, des jaunes dorés, des rouges. Et il y a encore une couleur ici. Voilà. Les dorés un peu roses. Bon, désolé, là, les couleurs sont vraiment pas bonnes avec ma vidéo dans ce sens-là. Donc voilà pour les deux que je devrais commencer. Hop, je remets ça comme ça. Je finirai après. Et bien sûr, je vais continuer mon cheval. Voilà. Donc, il y a encore un peu de boulot hein, dessus, mais il commence à être bien beau. Et je vais continuer, bien sûr. Alors, mon égyptienne avec le bébé tigre. Donc là, on est en octobre et je vous avais caché hein, la dernière fois. Mais j'ai déjà commencé tout ça ici. Hop, et là. Ici, voilà. Donc je suis repartie sur 50 lignes. Voilà, jusqu'au bout. Je vais faire à chaque fois des parties de 50 lignes. Donc ça fait 5 carreaux. Mais donc là, ça va parce que de ce côté-là, vous voyez, c'est des grands blocs. Après, là, il y aura le visage, les cheveux, le visage. Mais là, c'est bien parce qu'on va commencer à bien voir son visage. J'ai hâte de le continuer également. Donc celui-là, je ne l'arrête pas hein, pour l'instant. Non, non. De toute façon, dans mes rotations, je crois que je ne vais pas arrêter mes broderies. Parce que si j'arrête, si je mets de côté, après, ça va être. Je vais avoir du mal à me remettre dessus. Donc pour l'instant, je fais comme ça. Donc voilà. Donc pour mes rotations, ben, l'égyptienne et son bébé tigre, mon cheval, la dame de Noël et la fleur du mois, bien sûr, la fleur du mois d'octobre. Voilà mes rotations pour ce mois-ci. Ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mes choix, de mes broderies. Est-ce que vous les avez fait également? Est-ce que vous faites aussi des rotations en broderie? Alors que, bon, moi, c'est pas une vraie, vraie rotation, hein, puisque il y a deux ouvrages que je reste dessus. Mais il faudrait aussi que je me remets un petit peu sur mes points comptés, surtout sur mon HAED et sur le SAL que, ben, en plus, c'est moi qui l'organise et c'est moi qui est super en retard dessus. Il faudrait que je m'y mette aussi, mais bon, là, surtout qu'en ce moment, j'ai attaqué un gilet pour ma petite fille en tricot. Ma deuxième petite fille veut, bien sûr, comme sa sœur, un gilet également. Du coup, mon pull à moi, il est sur le côté. Enfin, mes deux pulls. Donc, voilà. Mais je fais aussi ma couverture. Voilà, bon, ça n'a rien à voir avec la broderie, mais bon. Donc voilà, bah, écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. J'attends tous vos commentaires et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et je vous fais des vidéos en train de broder tout le long du coup, tout le long du mois, enfin plusieurs dans le mois, pour que vous voyez où j'en suis. Voilà. Bisous, à bientôt. Ya Fifi. Regardez là. Hop, la Fifi.
Allez, gros bisous.